Hey, salut à tous, salut tout le monde. Bienvenue pour ce petit vol Paris-Charles de Gaulle jusqu'à Nice. On va essayer de partir en entier et de revenir ou d'arriver en entier. Ce sera déjà pas mal. Alors, on est connecté à Ivao, ça c'est bon. On a déjà étudié le départ. Les passagers, ils embarquent. On va régler les paramètres de l'avion. Alors, si tome 239, là, on a 180 passagers. On a 0 fuel de 60, 60,8. Ça fait 5, ça fait moins 3 à l'avant, ça fait 1338. Moins 2 à l'arrière, 1846. Et on est bon. Alors, c'est la 27 gauche au départ. Sauf si ça a changé. C'est toujours la 27 gauche au départ. On a la tour pour Charles de Gaulle. Et du contrôle pour l'arrivée aussi. Mais bon, vu que je suis tard, je sais pas s'ils seront encore connectés. Alors, une tonne 7 de réserve. Le cost index 44. Niveau 350. Les vents 290 par 71. Moins 47 en vol, c'est 6 000. Je dis pas de bêtises, 5 000, pardon. C'est déjà encodé, ça sert à rien. Et pour le reste, on va quand même attendre d'avoir la vie de la TC. Hey, salut les bouses, tout va bien? Oublie pas de mettre le micro. Nana, cette fois-ci, avec des mis. Oula, un nouveau micro. Ouais. C'est un nouveau micro. J'ai acheté un. Je sais pas s'il donne bien ou pas. J'ai acheté un micro. Comment t'appelles ça? Un micro sur trépied. Donc, je sais pas, j'avais envie de changer, prendre un petit micro un peu différent qui se met sur un trépied. Je vais bientôt le mettre sur un support. Voilà, tel un pro, quoi. Un pro qui a acheté un micro sur trépied qui coûte pas cher. J'en avais marre d'avoir le micro au casque. Je voulais voir s'il y a pour moi d'avoir un meilleur son. Bon, en tout cas, d'avoir quelque chose de différent que le casque. Quelle porte? Je suis en Victor 5, terminal unité. Si je ne m'abuse. Je vais vérifier ça. Parce que Charles de Gaulle, c'est pas mon dada. J'en ai une fois testé. Mais... terminal unité, et je suis en Victor 5. Ferme, Victor 5. Alors, oh bah d'ailleurs, on va regarder la carte, hein, parce que là, je me suis mis tout près de la piste, ça simplifie la chose. Alors, et tu préfères, c'est-à-dire, je préfère pas Charles de Gaulle, c'est clair, ça c'est juste pour un test, et je suis obligé de le faire de jour. Hein. Sinon, boum, plus d'espèces. Je préfère les petits aéroports. Alors, ça c'est bon, on vole au niveau 350. 12 pieds à l'arrivée. Qu'est-ce que tu veux dire par préf, mais bon? J'ai pas capté. Alors ça c'est bon. Parking brakes, il l'a mis. Et on va déjà contacter la tour. Ah oui, je préfère, je trouve ça sympa. Pour le micro, ouais. C'est assez sympa parce qu'il est. Ouais. Je sais pas s'il est plus performant ou pas, je pense. Et je trouve ça plus cool d'avoir un micro qui n'est pas intégré à ton casque.
Parce que l'avantage, c'est que si tu as un casque qui est pas wifi mais sans fil, tu peux te déplacer comme tu veux et le pet casser, le pet à recharger. Recharger quoi que ce soit. Non, je sais pas si recharger ou pas, je dis des conneries. C'est surtout pour pour la qualité du micro que j'ai voulu. Je trouvais que ça avait de meilleures performances. Bah ouais, je préfère. Et je l'ai acheté 40 balles, hein. C'est pas le gros micro. Hein. Comparé à un micro de streamer, si j'ai bien regardé la dernière fois, c'est 500 balles un bon micro. Mais bon, je suis pas un bon streamer, je suis juste un streamer. Je suis pas tout le matos que tout le monde a. Je fais avec ce que j'ai. De Gaulle. 119 de 50. Va donner un peu de travail. Il est tout seul, le pauvre. Oh, quoique. Il a un peu de taf. Ouais, les personnes. T'as vu le monde à Dubaï? Ouais, j'ai pas raté l'événement. J'ai fait un vol cet après-midi. J'avais pas vu qu'il y avait l'événement sur Dubaï. Mais laisse tomber, un vol de 4-5 heures. Je suis pas trop le temps. Non, j'aurais pas pu le faire. Mais c'est un truc de fou, quoi. Mais 175, 175 trafic final, je pense. J'ai vu le trafic sur OBS, bah, guéri encore maintenant, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Le nombre de holdings qu'il faut gérer. C'est, je savais pas que c'était si populaire, cet event. Bon. Sympa, mais quand je vois déjà des examens quand il y a un examen ou un training, le monde qu'il peut y avoir pour le départ, ça me donne pas envie de faire celui-là. Allez, c'est parti, on va appeler la tour. La formation alpha. Et à mon avis, il a changé. Oula. On est toujours dans la formation alpha. Ok. De Gaulle Tour, bonjour, Air Europe 050 avec vous, on a la formation Alpha. On souhaiterait une clairance à destination de Nice, on est stationné Terminal Unité Victor 5. Air Europe 050, bonjour monsieur, bienvenue sur De Gaulle. Mise en route approuvée pour Nice, Latra 3 Alpha, 27 gauche, niveau initial 120. Et vous transpondrez au 23-54. C'est bien reçu pour un départ Latra 3 Alpha, le 27 gauche en service. On monte initialement au niveau 120 et on transponde de 23-54 Air Europe 050. Relecture correcte. J'en doute pas. J'ai planté à l'approche, mais je n'étais pas sûr. Il va au trop long. J'espère qu'ils ont mis de la réserve. Ah, ouais, j'espère qu'ils ont mis le double de réserve, quoi. Hey, salut Nito, excuse-moi. Je t'ai même pas dit bonjour. Ouais, je vais bien. Je fais vite un petit live. Je fais un vol, donc je fais un live, quoi. Un vol, un live. Un live, un vol. Salut Big Mousse. Hey, ça fait plaisir de vous revoir, les gars. Faut que je relance le live plus souvent, moi. Vous me manquez, Steve. Ouais, celui qui veut me rejoindre, je suis De Gaulle. Hein. Faites-vous plaisir. Bon, allez, départ. La 27 gauche, Latra. 3 alpha, comme j'avais prévu. Alors, celle où était, ouais, on va mettre. Alors, je me dépêche. Je vais pas trop prendre de temps pour tout configurer. Bah, je vais tout configurer, mais je vais pas y passer trop de temps. Pour la simple et bonne raison que. Les. Pour la simple et bonne raison que. 23, on approche. Excusez-moi, je vais vous appeler. 33 lignes, vous retournez 26, 26. Pour la simple et bonne raison que sur les gros aéroports comme Charles de Gaulle et Nice.
Quand je suis de nuit, je perds tous mes FPS. Donc c'est pour ça que je suis obligé de le faire de jour. Merci galère. Ouais, ça fait longtemps, Bitmousse. Ça fait plaisir de te revoir, c'est sympa, merci. J'espère que tu vas bien. Take-off, 149 V2. V2, 149. Le heading de la piste, je vais aller voir sur la carte. Le 6-5. 5, on monte de nouveau 120. Super, c'est bon, c'est bon. Le clunage, on le met en local. Clunage 1013, ok. Ça c'est bon, ça c'est bon. Bon, l'oxygène n'aura pas le test, sans ça qu'il est bon. Ouais, juste pour le fun. Ah oui, transpondeur. 23,54. Super, 23,54. Les portes, on peut fermer. Hop. On passe sur la PU. Je suis déjà sur la PU. Félicitations. C'est bon. Ouais, ça se passe, Big Mousse, ça va. C'est un peu difficile, point de vue du boulot, gérer les enfants en même temps, vu qu'il n'y a pas école, il n'y a pas de crèche ni rien. C'était un peu galère. Mais ça va, on a passé le cap. Et ici, je sais pas, on va voir. Là, j'étais en grand congé, madame aussi. Donc là, on reprend doucement le travail. Et, bah, les crèches réouvrent et les écoles vont, j'espère, réouvrir en septembre. Donc, j'espère, s'il vous plaît. Bah, les petits, ils retournent le premier à la crèche, donc c'est déjà une bonne chose. Ah, ça va aller. Si ça repart de plus belle, on va essayer de s'y prendre à l'avance et de gérer un peu autrement. On n'a pas le choix. Alors, sans charger, c'est bon. Ok. Que je fasse pas de bêtises. On est prêt pour le pushback et on va repousser sur. Sur la droite, si je ne me trompe pas. La porte. Oh, le taxi est impressionnant. Je suppose qu'il va aller me faire par. Je sais pas quoi. Il faut aller voir sur la live map. Tiens. Hello, Captain. We are ready for pushback. Ça donne quoi sur la live map? Ici, Charles de Gaulle. Bon, on se calme, on se calme. Je suis là, mais il affiche pas la carte. Ok. Bon. On s'en fout. Prendre ce bon vieux navire. De gauche, ici. Oh, bon, c'est facile. À prendre Québec. Après de Québec, Québec, et puis Québec, c'est ça. Prêt au repoussage. Air Europe 150, on est prêt au repoussage et mise en route. Ah, j'ai dû muter un truc. J'ai raté quelque chose. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Parce que là j'ai voix qui parle, mais j'ai pas vu, j'ai pas entendu. Ah merde! Alors, besoin de 50 autant pour moi, j'avais coupé le son de TS, donc on est prêt au repoussage.
050 repoussage jusque sur Alpha face au nord. Appelez pour le roulage. On repousse sur Alpha jusque face au nord, 050. Merci, désolé. Qu'est-ce que je suis bien, ça? Donc, ouais, Bicou, ça se passe. Alors, le nord, il est où le schnour? Il est au-dessus? Je suppose. Le nord, il est au-dessus. On passe au face. Ok, donc c'est. Droite. Terminal 1. À droite. De Gaulle Tour, bonsoir, Air Portugal 455 à la porte Victor 3. Une demande de clairance pour Nice et nous avons l'information Alpha à bord. Air Portugal 455, bonsoir Tony. La mise en route est approuvée pour un départ standard Latra 3 Alpha. La 26 gauche en service, niveau initial 120, transpondeur 2761. Et bonsoir Patrick, donc un départ Latra 3 Alpha pour la 26 gauche en service, niveau initial 120 et le transpondeur 2761. Et on te rappelle pour la mise en route et le pushback Air Portugal 455. Et bonsoir à toi Étienne. Air Portugal 455, c'est le 3 Alpha, donc c'est la 27 gauche, hein, le départ. À 27 gauche, Patrick, c'est reçu. Tu peux partir sur 26 droite si tu veux, sur la demande, mais ça te fait un sacré taxiway, quoi. Non, non, 27 gauche, c'est bon, Patrick. Bah, c'est parfait, donc 3 Alpha, 27 gauche. C'est reçu. Salut Tony, salut. Cool, sympa, je ferai pas le vol tout seul. Merci de m'accompagner. Allez, je repousse. Comme j'ai déjà demandé la clairance pour repousser. Pas la clairance et le repoussage. Mon petit Tony va voler avec moi, c'est cool. Sympa. Allez, je démarre. Le 20%. C'est ça le trafic que j'ai entendu qui se connecte derrière tout près de moi là. C'était toi. Est-ce que t'es... Ah, je te vois. Et encore. C'est toi. Avec ta belle livrée Air Portugal. Et il doit être sympa aussi à voler cet avion. 737-200. Une vieille livrée, c'est pas livrée pour NGXU. Non, je m'en doute. Avec ce qu'on a. Allez, on lance le moteur 1. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ah oui, je me suis carrément planté dans le démarrage du moteur, en fait. Merde.
Bon, on va voir s'il veut bien parler deux en même temps. J'ai pas activé le bon bouton pressoir. Ça, c'est bête, ça. Bon, à gauche, il est démarré. Bon, à droite, il va démarrer aussi. Ah, le boulet. Il a démarré aussi. Ah, super. Je suis un boulet. Allez, on avertit les hôtesses qu'on va rouler. Anti-collision. On a comme ça. Et on a bien démarré les moteurs. Ah, c'est le 737. Ok, d'accord. Parce que moi, il m'indique que c'est un 737-200. De Gaulle Tourer, Portugal 455, nous sommes prêts pour la mise en route et le repoussage. Air Portugal 455, repoussage approuvé en fonction du 737 sur votre droite sur Alpha face au nord. On repousse face au nord en fonction du trafic le 737 en face, Air Portugal 455. Sure. Et vous repoussez jusqu'à sur Alpha. Et on repousse jusqu'à Alpha, Air Portugal 455. Erreur à pas 0,50, on est prêt au roulage. Erreur à pas 0,50, roulez point d'attente Québec 2 de la 27 gauche par Alpha, Bravo Delta 9 et Québec. On roule point d'attente de la 27 gauche via Alpha, Québec 2, Alpha, Bravo Delta 9 et Québec. Erreur à pas 0,50. Québec 2, Alpha. Ça fait beaucoup. J'ai pas assez de cerveau moi. Québec 2 via Alpha Kilo Bravo Unité. Ok. Alpha Québec Bravo Unité. Tu m'excuseras, hein, c'est juste le temps que je prenne la carte. Excuse-moi. Alpha Bravo. Alpha Bravo. Ah, Alpha Québec Bravo. Wow. Ah oui, Québec Bravo. Oui. Ok. Ok, d'accord. Wow, c'est pas compliqué en fait. Québec Bravo Unité, Québec. Je peux pas aller dans ce sens-là. Allez, je roule. Ça, je te laisse le champ libre. J'ai activé nav et nav. Donc là, on est à Alpha, on tourne à Delta 9. Alpha Québec Bravo Unité Québec. Ok. Tu confirmes que c'est à droite, c'est ça? Tony, c'est... Ouais, mais non, c'est à droite. Ah, c'est Québec. Avec deux, c'est... Là, je m'en mêle. Québec 2. Québec, bravo, nickel. Ouais, c'est à droite, quoi. Alpha, Québec, Bravo, Unité. Ouais, c'est à droite. Québec. Ah ouais, Bravo, Delta 9. Non, c'est tout droit, quoi. Tout
tout droit et à droite, ok. Ah, c'était le premier qu'il avait donné en fait, c'était Bravo Delta 9, je le voyais pas, mais il est tout droit sur ma gauche. C'est Alpha Bravo Delta 9. Voilà, ok. Ah, ça devrait être bon. Et De Gaulle Tour, Air Portugal 455, en fait on est prêt pour le roulage direct, hein, on est tout droit. Ah bah d'accord, donc roulez point d'attente Québec 3 de la 27 gauche par Alpha, Bravo Delta 9 et Québec. Ouais. Ok. On roule Québec 3 de la 27 gauche et Alpha, Bravo Delta 9, Québec, Air Portugal 455. Ah, c'est Bravo Delta 9 que je m'étais emmêlé. Ouais, au final, le rapport il est sympa. Mais je me pars toujours près de la piste de décollage, mon voiture. Sinon je m'en mêle. Alors, Québec. Bon, par contre, je compte quand même investir dans un petit liner, un petit long courrier. J'espère que prochainement je pourrai faire un petit vol courrier de PMDG. Mais j'hésite franchement entre attendre le 777 ou prendre le 747. 747, j'adore. Je trouve plus agréable que le 777. Et je me sens plus à l'aise dedans. J'hésite encore. Mais le 777, de toute façon, je vais attendre la mise à jour. Mais ça coûte cher, bordel. C'est 130 balles pour 747, quoi. Wow. Je vais devoir casser la tirelire, moi. Je vais rouler un peu plus vite là, parce que... Alors, Québec 2. Faut que j'arrête le Québec 2 non plus. C'est la suivante sur la gauche. Là, je peux pas apparemment. C'est beau. Ah, Québec 3. Ouais, moi il m'a dit Québec 2. Moi j'ai Québec de et pas toi checklist avant décollage flap 5 Queen Knight transponder mode standby et trim set for takeoff.
Europe 050, on arrive pour un temps de Québec de la 27 gauche, on est prêt au décollage. De Québec 2, alignez-vous 27 gauche, autorisé décollage, les vents sont du calme. On s'aligne et on est autorisé décollage, piste 27 gauche, Air Europe 050. Allez. Si je me trompe dans la touche, ça va pas mal. Bah ça va, je regrette pas de faire mon petit Charles de Gaulle Nice jusqu'à présent. J'ai pas de soucis. Weather actif. Air Portugal 455 de Québec 3, alignez-vous derrière à 737 et attendez derrière. Depuis Québec 3, on s'aligne, on attend sur la 27 gauche. Air Portugal 455. Air Europe 050, vous êtes identifié, procédez par la CID, veillez sur Nicom 122.8. Bon vol, au revoir. On poursuit sur la CID et on passe sur Nicom 128. Un tour remercié pour le contrôle et une excellente soirée à vous. 10h50. Alors, 122.8. Oh bah sympa le petit contrôle. Bon, oh, sympathique. Allez, on poursuit. Oula, j'ai un peu diminué le trim là. Alors, PNH standard. Flaps 1. Auto. Speed break off. Long. Google Open Up et Autopilot Engage 6500 pieds. Laps up. Et c'est bon. Bah sympa petit décollage, sympa sympa. Est-ce qu'il veut bien se loguer ici? Ouais. Il faut pas l'afficher. Pétant ce truc. Allez, merci Patrick pour le petit contrôle, c'était super sympa. Ça me donne envie de retourner sur De Gaulle, ça.
Mec, je suis pas très gros aéroport. J'apprécie. Allez, on poursuit sur la site. On monte vers niveau 120. On va augmenter. Il n'y a pas de contrôle après ça. On va poursuivre à monter vers le 350. Check of checklist, engine bleed, and PAX, ils sont sur auto. Auto, landing gear up and off, flaps up, no lights. After take off checklist complete. C'est bon. On est passé 10 000 pieds. On couple les landings. Alors, mon petit Tony, où est-ce qu'il est? Il est là. Avec la vieille livrée que je vois. Il a du mal. On peut laisser son temps, je crois. Je suis là seulement. C'est encore mieux. Oh, la tour est déjà partie à Nice. L'approche donne toujours la 04 gauche. Ouais, RNP alpha. Très bien ça. Petit RNP alpha. Alors, on arrive à une mise à... Via typique, une RNP alpha. Ok. Ouais, pas mal la livrée. En fait, je pilote cette 37 NGXU plutôt pas mal. Ouais, il est sympa. Ouais, j'ai déjà un peu mis faire moi NGXU au début. Il est un peu plus gourmand que le NGX. Moi perso, j'ai enlevé la tablette. Je m'en sers pas. Et les sons du cockpit sont complètement refaits. Les textures sont refaites un peu aussi. Donc ouais, faut s'y faire, mais une fois que tu l'as un peu en main, que t'es habitué, franchement, il est sympa. Alors,
déjà mettre l'arrivée, tiens. RNP Alpha. Alors, Anissa, ce sera Méo. Pour un RNP Alpha 04 gauche. Via. Via Muse ou via Typique. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Ah, j'espère que je dis pas de conneries. C'est même pas un vectorine. Hop. MP alpha. Ah, c'est pas un vectorine du coup. C'est ça le truc. C'est l'approche, la 11-0 ou 11-0 B. 11-0. Ah, c'est via typique, ouais, tu vois, je le savais. Je savais que j'allais me courir. C'est mis sur la carte en plus. Qu'est-ce qu'il peut aller? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors... Euh, 350, c'est bon. Pourquoi est-ce qu'il m'accorde plus le... Pourquoi est-ce qu'il met pas le niveau, lui? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Climb 350, c'est bon. Pourquoi est-ce qu'il ne laisse pas la... la VNAV activée? Alors... Ce sera merde. Ah mais bah non, c'est bon. Et là, il veut bien ou pas? Ah, avec les gars.
peu de temps pour moi. Et salut Drake, merci pour ton petit follow, bienvenue à toi sur la chaîne. Bienvenue sur ma petite chaîne. Lance Kizak, c'est nouveau ça. Je suis en train de foutre un bordel dans mon FMC. Alors Muse. Qu'est-ce que je suis en train de faire moi? Alors. Oh là là, Etienne, c'est pas bon ce que tu fais. Donc, Nissar. Qu'est-ce qu'il y a fait? Totique. Éthique. On fout. Après, un fou, c'est typique. Typique, je ne l'ai même plus, c'est la merde ça. Alors, typique. Ça, c'est quand je chipote trop. Pourquoi est-ce que j'ai un non-su, moi? Non-su, ok. Alors, ce qu'on va mettre, c'est muse. Ça va déjà aller mieux. Typique, muse, puis bisbo. Là, il va bien vouloir me la reconnecter. Voilà. Voilà ce que c'est que de foutre le brin dans l'FMC. Je me bon. Ben. Salut, Drake. Ah, c'est sympa, merci. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'abonnent encore en plus à la chaîne. C'est que ça vous plaît. Tant mieux. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous trouvez qu'il y a des trucs à améliorer ou pas. C'est toujours plus sympa pour moi de savoir un peu ce que vous préférez que j'améliore ou que j'améliore pas. Ou je change carrément. Par exemple, arrêter de parler. Non. Bon, la route c'est bon, ok. On verra pour les contraintes d'altitude tout de suite. Alors, on arrive au top of climb. Ah oh, ouais, il voit une tour, cool. Et Tony qui me colle aux fesses. Excellent. Ah, ça c'est déjà une très bonne idée, Drake. Parce que c'est vrai qu'il y a. Ouais. Vous trouvez les gens qui font sur intelligence, parce que j'ai déjà vu des gens qui faisaient des lives sur P3D, ou. Enfin, déjà. Une personne en particulier qui faisait des lives et ça ressemble à rien du tout. Mais dans la plupart des cas, c'est vrai que les gens sont quand même assez sérieux, surtout quand ils font un live. En sachant que c'est quand même diffusé et regardé par des centaines de gens, voire plus. T'as pas trop intérêt à faire n'importe quoi non plus, sauf si c'est vraiment pour le fun. Mais ici, c'est vrai que moi, j'ai surtout appris avec les tutos sur YouTube, en voyant les gens qui faisaient des vols eux-mêmes. Et c'est comme ça que moi j'ai appris. Hein. Ça fait des années que je vole avec un 737, y compris d'autres avions, mais j'ai beaucoup appris en regardant les gens voler, en voyant comment ils configuraient leur avion, comment est-ce qu'ils faisaient la route.
Moi, quand j'ai appris, j'ai dégroupé. J'ai dégroupé le vol. J'ai d'abord appris à démarrer l'avion. Puis ensuite, j'ai appris à régler le FMC. Et après, quand tu es au FMC, tu apprends à gérer ta route. Une fois que tu as l'outil pour gérer ta route, bah, tu sais programmer le FMC. Et après, là, bon, la phrase est haut quand un contrôleur te parle. Si tu connais ta route et que tu connais tes cartes, ou en tout cas que tu les as à portée de main et que tu sais lire une carte au minimum, ça devient un jeu d'enfant, quoi. Bon, je te garantis pas que si je vais aux États-Unis, je vais y arriver, là. Si je vais en France ou dans les pays limitrophes, ça passe. Moi, j'en suis à regarder des lives pour un peu apprendre et à m'améliorer pour mes lives. Voir un peu comment les autres font. Voir quelques petits trucs. Bon, c'est pas le but de copier les autres par rapport à ce qu'ils font, quoi. Un live, c'est personnel. Ça doit rester perso. Et pareil, j'ai tout appris sur Internet. J'ai commencé par des lives contrôle sur Uber et je reconnais que tu m'as beaucoup aidé. Ah bah écoute, je sais que tu m'avais déjà dit que ça t'avait quand même pas mal aidé. Et je pense que c'est même toi qui m'avais une fois dit que je pourrais une fois faire un petit live ou un petit live sur le détail de comment démarrer le PMDG. Alors, je prétends pas connaître le PMDG à 100%, mais d'après les vidéos des vols réels que j'ai déjà vus, de configurations réelles, ça va, je me débrouille pas trop mal. Mais c'est vrai que je pourrais une fois faire ça. J'ai déjà pensé plusieurs fois, je l'ai pas encore fait. C'est comme l'autre jour, j'ai regardé quoi? C'était de. Attends, c'est où? C'est ici. Ah ouais, mais je l'ai plus évidemment. Quand tu t'encodes la valeur pour le take-off, t'as celle OAT. Et en fait, c'est la température que peuvent la température jusqu'à laquelle des moteurs peuvent aller au décollage. En sachant que au moins tu mets de température, au moins tes moteurs en puissance. Plus tu augmentes la température, plus ils sont en puissance. Et ça joue beaucoup par rapport à la piste, à la longueur de piste. Parce que si tu décolles de Charles de Gaulle, bah tu peux faire un long roulage sur la piste avant de décoller, c'est pas un problème. Mais si t'as une piste courte, là tu vas avoir un problème si tu la règles mal. Mais bon, dans le PMDG c'est pas pris en compte, mais tu peux l'encoder. Ah, franchement, entre les documentations, il va au VATSIM, plus tuto YouTube, plus stream, il y a de quoi faire. Là, je suis plus sur des lives, il va où pour m'habituer à la phrase zéro. Ouais, alors ce que je peux te conseiller aussi, c'est de te mettre en observateur. Ou alors, ce que tu fais, c'est que tu te mets à une position, tu te mets au parking, tu te connectes IVAO, et en remarque, tu mets juste en remarque observateur ou à l'écoute, quoi. Et là, c'est vrai que tu vas beaucoup entendre de phrases, hein, et tu verras, c'est toujours la même chose. Hein. Je vais pas dire que c'est redondant, mais c'est tout comme quoi. Une fois que tu gères la phrase zéro, ce qui est le plus difficile, c'est de voler avec du trafic autour de toi. Quand t'as pas le. T'as juste le temps d'en passer une, quoi. Elle demande de faire un truc et. T'as pas le temps de bailler, quoi. Faut collationner et laisser place pour les autres, quoi. Là. C'est plus chaud, mais c'est sympa. Mais c'est bien, c'est un bon truc que t'as. Documentation, déjà là-bas, c'est déjà un bon truc. Un tuto YouTube, t'as quand même pas mal de bons tutos. Les streams, ouais, il y en a quelques-uns aussi. Et des lives IVAO, ouais. C'est la IVAO, même pas de sim. Pas de sim, c'est plus en anglais. Mais ouais, c'est bien aussi. Écoute, moi j'ai fait ça, quoi, pas mal, j'y ai pensé. J'ai fait ça avec Vatsim, parce que là j'ai installé Vatsim il y a quelques mois. J'y vole rarement, mais de temps en temps je m'amuse un peu à voler. Et la première fois que j'ai fait en fait Vatsim, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à une porte, je sais plus, c'était en Hambourg, je crois.
Je me suis mis à la guette. J'ai regardé un peu le trafic qu'il y avait autour de moi, voir ce que ça donnait. J'ai écouté un peu comment ils se débrouillaient, comment ils parlaient. C'est des contrôleurs un peu différents. La manière de parler est un peu différente. Voilà. Ça reste de la phrase, quoi. Je t'en prie, Nita, je t'en prie. Je te conseille les lives de TechNiv pour la Phrasio, en plus il donne beaucoup de conseils et d'explications sur les lives. Le vol en liner, Etienne, est une référence. Wouah, les taux, putain, tu me fais... Bah, ça me touche au cœur, ça, sympa. TechNiv, oui. Effectivement. C'est vrai que c'est une très bonne référence. Et je suis jamais contre de la pub pour d'autres personnes qui font des lives, t'inquiète pas. Et du contraire, si ça peut apporter un plus. Descendre en 140 nautiques, c'est bon. Ah bah, je pense que... Ça veut dire qu'il est mondialement connu. Pas mal de gens qui connaissent et connaissent sa chaîne. Là, par contre, Nito, au passage, c'est quoi ce. C'est pourri que j'ai là. Nito, regarde, quand tu vas sur le NGXU, il y a une petite nouveauté qui est pas mal. Quand tu fais la descente, avant de faire la descente, tu règles ton forecast, tu mets un niveau de transition, tu mets ton ISADEF et le QNH. Donc l'ISADEF, c'est la pressurisation atmosphérique standard. Et ici, en fait, tu peux demander les vents. Alors, sur la NGXU, je te conseille de le faire, parce que si tu descends et que tu demandes tu fais un request pour les vents. Ça change quand même pas mal à ta descente. D'ailleurs, je vais le faire. Moi, je vais le faire tout de suite. Tu verras. Par contre, c'est vrai que depuis que j'ai lâché un peu le contrôle ATC, il faut. Bah, tu m'étonnes. Il faut que tu t'y remettes un peu, moi aussi. Je faisais un petit peu ATC sur Strasbourg, au sol, même au sol autour. Mais je suis une fois passé à la tour, ouais, j'avais un peu de mal, donc j'ai pas insisté. Mais une fois que tu lâches l'ATC, quelques temps, autant mettre dedans, c'est un peu chaud. Question technique, les low en route en France, c'est de quel niveau minimum ou maximum leur utilisation? Alors, le maximum, c'est niveau 2,95. Le minimum... je vais pas te répondre parce que je risque de dire une bêtise, mais moi je dirais que c'est du niveau 0 au niveau 295. Mais le minimum, je peux pas te garantir. Là, je crois que je vais dire une bêtise. Mais max niveau 295, ça je suis sûr. Oui, c'est juste. C'est vrai, ça, on s'était déjà croisé sur Ajaccio.
Ouais, 195, pas 295. C'est moi qui dis, j'ai dit 295, ouais. Non, c'est 195, tant pour moi. Ouais, 295, t'es déjà vachement plus haut. Je vais te dire ça ici. Ouais, non, c'est jusqu'au niveau 195. Alors. C'est pas ça que je veux. Regardez un doc, il va où, pour voir le minimum. Parce que franchement, là, tu me poses une colle. Centre de base. Wow. J'ai appelé croisière. Et là en route, c'est jusqu'à 125. Parfait, chercher, j'allais trouver nulle part en anglais et en français. Pour Ivano, j'ai les procédures en route, si tu veux. Alors, je te mets ça. Ça, c'est les procédures en route, mais en général. J'essaie de trouver un autre survivant. Medialink, c'est pas ça. Phraseologie. Je suis sûr que j'ai des documents. Je dois l'avoir sur le PC en plus. C'est la bonne question. Voilà, de rien, Drake. C'est toujours avec plaisir. Donc 84 nautiques, là je vais remplir le fort casse. Donc niveau de transition. Transition done. Transition level. C'est 6000 pieds. Lisa. Si je ne me trompe pas. Lisa, il est à 6 degrés. Alors, ici. Ah merde, mince prout. Ouais, je peux rentrer mon plan de vol dans. Ok. Il est où mon anti-sky? Oh, le vilain papot. Le vilain papot. J'ai même pas démarré Active Sky. Bah si.
Mais non. Ah la vache, j'ai pas démarré T-Sky. Oh là 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 là. Oh. Il fait, mais... C'est quoi cette turbulence que j'ai eue? Une cassée, Captain? J'avais pas démarré Active Sky. C'est pas bien ça. Donc on disait Transition Level 6 pieds, Lisa. Il est à 6. Avec un QNH de 1015. Voilà, on valide et là je vais faire un request pour les vents. On attend, ça c'est la magie du JXU. Mais ouais, je comprends aussi maintenant. Je l'avais démarré tantôt pour voir, pour tester les rapports. C'est vrai que je l'ai pas redémarré. Bon, le request. On fait de la route. Exécute. Et là, il t'encode tous les vents pour la descente. Et j'ai comparé avec Active Sky, justement, c'est les vents. Les vents correspondent tout à fait. Il est où, mon oreiller? J'arrive dans 2 secondes, je dois m'absenter de petites secondes, j'arrive.
je suis de retour. Désolé, petit problème avec ma fille. J'ai dû aller régler ça. Ouais, donc bah, la météo s'est réglée. Effectivement, première fois que ça m'arrive ça. Bon, ah bah voilà, juste prêt pour la descente, c'est bien ça. Juste attends. Alors c'est l'heure de commencer les choses sérieuses. Alors, en plus j'ai pas, voilà, j'arrive à Marseille, 126-155. Oui, il va sûrement se déconnecter. Ouais. C'est juste que je lui avais demandé de monter plus tôt et là, je sais pas, problème d'oreille. Ouais, je suis tu. Marseille Contrôle, bonsoir, erreur à pas hasard, 50 avec vous, on entame la descente, on a 10 nautiques de Nissar. Erreur 050, bonsoir, identifié, arrivé Nissar 6 Roméo, direct Anfou. Arrivé Nissar 6 Roméo, direct Anfou, erreur à pas hasard, 50. Je vais y arriver. Erreur 055, descente niveau 160, stable Anfou. On descend au niveau 160 et on prévoit d'être stable sur Anfou 050. Marseille Contrôle, bonsoir, Air Portuel 455, on rentre dans votre espace de contrôle et on est prêt pour la descente. 455, bonsoir, je vous rappelle. Salut, salut. Salut, je te vois. Hey, merci pour ta visite, ça va, cool. Bienvenue. Welcome on board. T'arrives au moment le plus intéressant. Alors, 0,50, quelle est votre vitesse indiquée? On est à Mach 78. 78 Max 78, 0,50, désolé. Attends, moi j'étais pas sûr, mais je voulais être sûr. Hein. Mon petit défaut. Alors, Portugal 455, bonsoir, vous êtes identifié, arrivé Nissar 6 Roméo, direct Amfou. Il descend des niveaux 190, unité 9-0. On descend niveau unité 9-0, direct Amfou, Air Portugal 455 pour une Nissar 6 Roméo. Ça va, Stube, tu vas bien? Qui est une nouvelle? Ryanair 321, continue la descente niveau 130, unité 3-0. Descente niveau 130, Ryanair 321. Là, j'ai repris mon accent belge pendant 2 secondes. Là. Ouais, 78. Ça laisse toujours un petit doute avec les Français. Pourtant. C'est pas comme si je traînais pas avec des Français tous les jours. Quoi. Et je n'ai rien contre, je précise. Marché de contrôle, bonsoir, absent. Je vais quand même essayer de faire un truc, tu vois. Hop, 122, bonsoir, vous êtes identifié, montez niveau 140. Mais déjà, le temps pour ma mode, hop, 122, donc continuez à monter le niveau 220 et je vous rappelle pour plus haut. On monte le niveau 220, hop, 122.
essayer de faire un truc. Ça je peux couper. Ça je peux couper. Et ça aussi. Après une 321, je viens d'avoir un message de Ajaccio Approche que je devais contacter. Bah oui. Ouais, donc vous restez avec moi parce que je vais avoir un trafic qui va passer juste en dessous de vous et je vous passe juste après avec lui. Vous êtes pas encore dans son niveau d'espace. Hein. 130, vous serez avec lui. Donc je vous recontacte. Reçu. NR 321, formation trafic, vous avez croisé un EC145 sur votre aile droite, 1000 pieds plus haut. Pardonnez-moi. Et là, NR 321, dans ce cas-là, vous pouvez contacter Ajaccio Approche sur 121-050, au revoir. C'est un truc. Non, là, je l'avais pas là. Je vais pas faire ça maintenant, je crois. Ah, je crois ça plus tard. Je voulais mettre la cam via mon GSM. Donc j'installe ça plus tard. C'est pas une bonne idée de faire ça maintenant. Et hop, 122, vous pouvez monter niveau final 300 direct Afrique. Nous montons niveau 300 et on fait un direct Afrique. Non, pas restart. Allez, comment dirais-je chez moi, touche pas à ça petit. Fais ça après. Bon, on descend sur en fou niveau 160, on va être stable, c'est parfait. Ce sera juste bon. Encore 20 nautiques avant. 28 nautiques avant en fou. Ça sera bon, il est que 17h36, donc on arrivera encore pendant le jour et pas la nuit. Ce qui me permettra de ne pas avoir une perte d'FPS. Et j'ai pas un gros PC. Hein. 050, direct Mike Uniforme Sierra. Direct Mike Uniforme Sierra, 050. Ouais, direct sur Muse. C'est quand même belle la vue. Pas besoin d'avoir un simulateur 2020. Je trouve que la vue est déjà pas mal. Là. En même temps, au niveau 200, qu'est-ce que tu vas avoir de plus? Air Portugal 455, direct Mike Uniforme Sierra, descendez niveau 160. Direct Mike Uniforme Sierra et on descend au niveau unité 6-0. Air Portugal 455. Je vais vous donner le tourniquet, moi. Ah, j'ai un petit déconné. C'est pas sympa. Donc ouais, je voulais mettre ma webcam, mais je la mettrai par la suite, parce que je dois encoder le wifi et tout. J'ai pas envie que ça plante. Pour une fois que je monte ma petite tête. Ma petite tête de belge une fois. Et je ferai ça plus tard.
comme je suis pas très riche en matos, c'est une simple webcam via GSM qui marche très bien, que tout le monde connaît, je pense, d'Oricam. Et pour voir si c'est bien ou pas, c'est déjà pas mal. Après, j'investirai dans la webcam s'il faut. Mais bon, c'est tellement le bazar dans mon bureau. Je veux déjà de la côte se profiler. Et à la mer. Et la mer du Nord. Et son long terrain vague. Je perds 050, contact Nice approche, 134, 475, au revoir. Avec Nice approche, 134, 475, merci les contrôles, au revoir. Il s'approche, bonsoir, Air Europe 050, on descend vers le niveau 160 sur Muse. Sur le mini. Air Europe 050, il s'approche, bonsoir. Pilage IRS, piste 04 gauche, tournage à gauche, cap 110 descend des niveaux 80. Prévoir guidage radar pour la 04 gauche, on tourne à gauche au cap 110 et on descend au niveau 80, Air Europe 050. Alors, à gauche, au cap 110. Top. Alors, pour l'arrivée... Flaps 30, vitesse 145, VRF plus 5, ça fait 152 en finale. Descent checklist, briefing d'approche, c'est fait, on a déjà encodé. Pressurization, landing altitude, 12 pieds, on est sur 50. Recall, checked. Auto break. On met sur 2. Landing data 149 plus 5, 152. Minimum. Il s'approche, bonsoir. Air Portugal 455 au niveau unité 6-0. Direct Mike Uniform Sierra avec vous. 2000 pieds. Air Portugal 455, on s'approche, bonsoir. Descendu niveau 8-0. Prévoyez l'ILS piste 04 couche. On descend au niveau 8-0 et on prévoit l'ILS pour la 04 gauche, Air Portugal 455. Ouais, je vais essayer d'y arriver. Je règle le barreau. Ça fait beaucoup de coups de molette. Briefing complete, descent checklist complete. IFMC, qu'est-ce qu'il me raconte? Réduire la vitesse. On va essayer de réduire la vitesse et de continuer à descendre.
0,50 descendez 4000 pieds au QNH 1015. On descend 4000 pieds, QNH 1015, erreur à pas 0,50. Alors, 4000 pieds, QNH 1015. Voilà, là c'est géré. Hein. Là, faut que je prenne 10 à 250. Parce que sinon, ça va pas le faire. Un grand volet, ouais, je suis limite pour les volets, mais bon, limite. Voilà, non, la vitesse, par contre, je regarde ça. Allez. Alors, particulier 455 descendez 4000 pieds au QNH 1015. On descend 4000 pieds au QNH 1015 vers Portugal 455. Je vais garder de la vitesse comme ça. Nito ne doit pas trop ralentir. J'espère juste qu'il descend assez vite parce que là. Galère. Alors, 0,50 à gauche, chose 0, unité 0, autour vous approchez à la piste 0,4 gauche, rappelez établi. À gauche, au cap 0, unité 0, on est autorisé ILS 0,4 gauche, au rappel établi 0,50. Unité 0. Oui, mais quand il y a un contrôle sur Nice, on est toujours trop haut. Donc, ouais, je le fais toujours au mieux que je peux. C'est sur Nice et de temps en temps sur Ajaccio aussi, j'ai le problème. Mais ça passe en général. Mais là, on est quand même vachement trop haut, je trouve. Ah, j'ai oublié un truc important. Ah bah non, c'est une... Ah, elle m'a donné yes. Heureusement que je fais attention. Portugal, correction, R, Portugal 455, résidu à vitesse 220 tonnes à gauche ou 080. Sans vitesse, j'ai pas compris, pardon, R, Portugal 455. La Portugal 455 sur le cap autorisé à approcher ILS piste 04 gauche, rappel établi. Autorisé approche ILS 04 gauche, on vous rappelle établi à Portugal 455. Mais je suis trop, beaucoup trop. Je vais pas être établi à... Bon bah on va jouer dissimulé. Hein. On va mettre les flaps. Descendre. Et ouais, je suis sur le lock. Ok.
Oui, 0,50, vous êtes sûrement un peu au si vous voulez un guidage radar pour votre date de l'altitude. 0,50, on vient d'être établi sur le lock. On va essayer de faire ça correctement. Oui. Ouais, effectivement, je suis quand même vachement creux. Ça sent la remise des gaz. C'est quoi? Ça sent manuel. On va déjà prévoir la remise des gaz. Dans l'axe cap et puis ok. Contacter la tour sans idée ici, mal 7, bonne soirée. Ouais, 0,50, je pense qu'on va faire une mise des gaz directement parce qu'effectivement on sera trop haut. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Ouais, 0,50, aussi tournez à droite, cap unité 7. À droite, cap unité 7,0, 0,50. Ouais, 0,50, comptez 3000 pieds au KNH 1015. Et on monte 3000 pieds au KNH 1015, 0,50. On monte les flaps, ça sert à rien. Yep. Allez, hop. Je pensais y arriver, mais non. Je suis trop haut et trop de vitesse, donc ça sert à rien de faire n'importe quoi. Allez, on monte le volet. On rentre les 0 freins. Et speed. Oui. Encore un peu, je décroche là. Si jamais pas. Approche car Portugal 455, ILS 04 gauche établi. Affirme, ça je décide. 455, maintenez 182 jusqu'à cinétique finale, contactez la tour sur Somme d'idée, finale 7, bonne soirée. On maintient 182 jusqu'à cinétique finale et on contacte la tour. Merci du service, bonne soirée, au revoir. Allez, flap stop. Comme tu dis, Drake, sage décision. Faire ça que n'importe quoi. Ah, je pensais que ça passerait. Hein. Ah, je voyais bien le papy, au loin qui me disait 4 blanches, 4 blanches, 4 blanches. Ouais, non, c'est pas bon. Bon, bah, Tino, tu seras parti deuxième, t'arrives en premier. Je te laisse la place. Tour 118, ça je sais déjà. Europe 050, on est à droite au cap 220. À droite au cap 220, 050. Droite 220. Alors, on va toujours reprogrammer l'ILS. Voilà.
Je suis même pas obligé de mettre sur un peu sur l'impôt. Vite, l'impôt. Ah, il veut pas. Ouais, je peux pas supprimer un point sur lequel je suis actif. Juste. Du brouillard sur Nice. Alors là. Je suis vraiment pas dans le même métier que toi. Cloud léger. Ah ouais, léger à 1600 pieds. Excellent. Bon ça. Chouette. Ça va faire une belle photo en finale. Regardez, vitesse 190. On est bien, on va pas changer. 146 plus 551. Good evening, Nice approach. Austrian 533, Vidion flight T00, descending 100, heading board intersection. Austrian 533, Nice approach, bonsoir. Expect radar vectoring for Iris approach, runway 04 left. Fly heading 200 degrees, descend flight level 110. Expect runway 04 left and descending 110, Austrian 533. Speed break event. Europe 050 à droite au cap 3, unité 0. À droite au cap 3, unité 0050. Sur l'impu. L'impu max vitesse 200. Ça tombe bien, on a 190. Dans le beau virage. Le beau coucher de soleil. Alors 050 continue virage à droite cap 3 6 0 autorise approche à la piste 04 gauche rappel établi. On poursuit à droite 3 6 0 on autorise approche à la 104 gauche rappel rétabli repas 150. Austrian 533, radar vector intern left heading 200. Flaps 1. Left heading 200, Austrian 533. Diminuer la vitesse. Ah oui, une petite brume là. Jeez. Que je voulais. Bon, on est largement. C'est 4000 pieds pour capter l'IS, on a 3000 pieds. Je viens de faire le tri-tri, continue d'ici un flight level 7. Un petit bruit, mais sympa. 7-0,
apparence s'établit sur le log local. Il n'y a plus qu'à s'établir sur VLS pour avoir la pente. Europe 050, contactez la tour 118 décimal 7, bonne soirée. On passe avec la tour 118 7, merci pour l'excellent contrôle et au plaisir, 050. Même moi je m'embrouille encore quand je parle. Nistour, bonsoir, Europe 050, on est établi sur la 04 gauche. 050, bonsoir, numéro 1, continue approche, piste 04 gauche, en 100 degrés 17. On va poursuivre l'approche sur la 04 gauche, et on est numéro 1, 050. Voltaire 2647, traversez piste 04 gauche, intersection Alpha 3, alignez vos piste 04 droite et attendez. Kildan, Stati. Je traverse la 04 gauche et je m'aligne piste 04 droite via Alpha 3. Voltaire 2647. Alors, vitesse minimum 146, plus 5, 151, c'est bon. Approaching minimums. Minimums. Continue. Flaps starting. Landing checklist, engine start switches, continuous, speed brake count, landing gear done, flaps dirty, green light, landing checklist. Affirmatif, vous voulez dire 57 après, au départ. Allez, prends maintenant. 57, intersection Alpha 3, piste 04 droite, autorisé, décollage, vent 0,82. De que c'est aucun droit d'autoriser les collages, vous le dites à partir de 47. Europe 050, prévoit une clairance tardive. On prévoit une clairance tardive 050. Ceci. Légèrement bas, mais ça passe. Parfait. Et un petit vent de travers quand même. Ouais, on va pouvoir mettre les gaz, c'est pas possible. Il n'a pas encore décollé. Et pour 0,50, vent 0,90 degrés 17 nœuds, piste 0,4 gauche, autorisé atterrissage. Autorisé atterrissage 0,4 gauche, 0,50. Ouais, ben. Changement de fréquence approuvé, bonne soirée. Ouais, ça va. On passe sur une ECOM 122 décimal 8 et on vous remercie du service. Bonne soirée à vous, au revoir. Ouais. Manuel break. Test contrôlé.
Europe 050, Eastern 44 par Golf et Tango. Eastern 44 via Golf et Tango, Europe 050. Niveau 2647, c'était juste avec le Cap Ferra. Je vous aurai une prochaine fois à Nice, prochain 34-475, au revoir. Je suis désolé, mais merci beaucoup en tout cas du service, bonne soirée à toi. Alors, le stand 44. Ouais, juste pour le plaisir, on va quand même demander le follow me. FD off, weather off. Bon, le toucher, ça dit quoi? Un toucher à moins 164. Enfin, c'est pas mauvais. J'ai cru que ça allait être pire. Ouais, ouais, Drac, c'est pour faciliter l'atterrissage, c'est le HUD. Donc ça donne toutes les infos nécessaires, vitesse, altitude, et tout ce que tu veux, et en fait ça te met ton réseau artificiel avec voilà ce que tu vois ici. Ça, tu dois suivre, ça t'indique, tu dois mettre ce point sur le seuil de piste en fait, pour être sûr d'être aligné sur la piste et touché à l'endroit que tu veux. Alors par contre il m'a dit via alors, je crois que je me suis bourré par rapport à ce qu'il a dit pour le taxi. Et sur 14, bravo Nito. Ouais. Là, je suis le follow me, mais je pense que j'aurai pas de le suivre. Ouais. C'est derrière. Europe 050, d'éclairer un trafic euro, poussage sur Charlie. Vous prenez la prochaine à droite sur Delta et vous longez Delta par rapport au nord. On prend la prochaine à droite et on longe Delta par rapport au nord. 050 sur. Je me suis mal exprimé, donc vous longez Delta jusque tout droit. On longe Delta tout droit, c'est reçu 050. Alors, parking stand. Longe Delta. Ok, ouais. Et la boucle. On fait la boucle là. Plus Draco, merci pour ta visite et n'hésite pas. Si tu veux qu'il y ait un petit live, tu peux se dire bonjour et je te remercie pour ton petit follow.
Ah, toi, t'es à la 14, bravo. Oh, il est carrément derrière moi, en fait. Je sais pas où est le trafic qui l'a éclairé. Je le vois pas. Ça, c'est peut-être l'Air France qui est là-bas. J'en ai aucune idée. Good evening, Nice Tower. Austrian 533 established 04 left. Austrian 533, good evening, continue approach 04 left. Number 1, wind 09, 30 degrees 10 knots. Ah, ok, il avait clair. 04 left, Austrian 533. C'était ça. Tranquille à la guette. Ah, presque. Allez, parking break 7. Forward over wing. Ouais, ok. Si tu le dis. Austrian 533, runway 04 left, clear land, wind 070 degrees 16 knots, and I'm closing after landing. Monitor unit, come on, you do this way. Clear to land 04 left, and after landing, going to Unicom. Excellent, j'ai la Macarena! J'ai la Macarena! Ta 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 ta. Excellent, je crois que ça existait plus sur G6-02. Et 050, je ferme Unicom 128. On va passer sur Unicom 128. Merci du contrôle et bonne soirée 050. J'ai eu la Macarena. Excellent. Merci. Et salut donc, comment vas-tu donc? Et la Macarena les gars, c'est la cerise sous le gâteau ça, c'est toujours chouette. Allez, on déborde. Tu vas bien donc? C'est un plaisir de te voir, c'est sympa, c'est cool. Allez, hop, ici, hop, 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 on a le Grand Power, hop, hop, hop. On va détacher ce pauvre agent. Oui, je vais ouvrir la porte, mon stress. Comme c'est le logo, on est censé être de nuit donc la PU, on n'a plus besoin. Et on débarque. Super petit vol et merci. Ouais, non, de quoi tu veux, Anthony? Comment tu veux? Je vais essayer d'en faire encore un ou deux cette semaine. Bon, je sais pas encore quelle destination. Mais je vais en faire un ou deux.
Et c'est au plaisir, si tu veux refaire avec, y a pas de soucis, c'est avec plaisir. Ami, si tu veux. Si tu veux me. Bah, je te dis quoi par. Par Twitch, si tu veux, je t'envoie un message ou quoi. Je te tiens au courant. Il y a bien toujours la forme, je regarde ce qui se passe sur le simu. Ah, bah, tu dois en avoir de l'activité, dis donc. Avec FSM20 qui arrive. Et avec P3DV5, il y en a d'activité. Maverick, bienvenue sur la chaîne. Je te remercie pour le petit follow, c'est super sympa. Merci, merci Maverick. Si tu veux encore d'autres lives, j'en ferai, comme je viens de dire, encore un ou deux cette semaine. Reviens quand tu veux, pas de soucis. N'hésite pas à faire un petit commentaire, à dire coucou dans la chat s'il faut. Ça marche, là, je te dis quoi, Nito, pour le petit vol, y'a pas de soucis. C'est toujours un plaisir de voler avec toi. IRSS off, les passagers, ils débarquent. Shadow checklist, fuel pump off. Prop hit off. Hydraulic panel set, flaps up. Engine start levers. Off. Weather radar off. Shutdown checklist complete. Et on va déjà faire la secure checklist. ISS off. MNG exit light sur off. Window seat off. Apex off. Secure checklist complete. Super. Ouais, FS 2020 le 18 août. Oui, ça fait plein de super méga heureux. Et tous les méga super heureux, c'est ceux qui ont des bons PC. Ouais, ils sont tout contents. Moi, j'en veux pas. Si, j'en veux, mais pas directement. J'attends un petit peu. J'attends de voir ce que ça donne, les premiers lives, les premières vidéos. Voir un peu ce que ça donne en vrai. Voir ce que ça donne selon les machines qu'on possède, si ça tourne bien ou pas, et voir aussi ce que donnera le mode réseau. Alors sur Batsim en premier lieu, vu qu'ils ont un partenariat, et je présume sur Ivao aussi, peut-être dans un second temps, ben, il y a encore beaucoup de choses qui doivent se développer. Je serai en vacances, mais pour septembre ça devrait le faire. T'as de la chance de partir en vacances là. Septembre, non, je serai pas encore dessus, ça c'est clair. T'as passé pas mal de temps sur Simu. Tu m'étonnes. Moi j'ai réinvesti dans P3DV5, je vais pas le lâcher directement. Il vaut mieux avoir un Simu de trop qu'un Simu de trop peu. Ça c'est bon. Ouais. Allez, on ferme. Sans doute, ça c'était bon. Bon, cet temps, je pense pas qu'on sera encore. On sera déjà dessus. En tout cas, sur Yahoo, je pense pas du tout. Ça m'étonnerait qu'il soit déjà à jour. Pourquoi pas essayer sur votre sim, on verra. Faut déjà débourser pour. Alors. Moi, je ferai ça plus tard. Ça, je vais couper. Discord. Là pour le moment, j'ai juste un simul DCS World et je teste FS 2020. Ah, écoute, DCS World, vu que j'ai déjà joué, il me manque beaucoup celui-là. Il me manque beaucoup. Effectivement, il y a des irréels.
C'est clair. Si seulement je pouvais. Tu connais pas Vatim? Bah ouais, c'est vrai qu'en général, c'est soit l'un, soit l'autre. Bah Vatim, c'est plus anglophone en fait. Le principe du client est mieux fait. C'est un client tout en un, où t'as déjà la corporation, t'as pas TS2. Tout est incorporé dans le programme même. T'as déjà une voix qui est un peu déformée pour faire voix pilote là à travers le micro. Les contrôleurs sont plus expérimentés dans le sens où tu peux pas prendre le contrôle d'une tour comme ça après 10 heures de vol, tu dois passer des examens. Mais c'est plus anglophone. Il y a un petit peu en France quand même, il y a VAT France. Il fait quand même quelques événements avec l'ONAND aussi, tous les vendredis soirs. Et voilà, quasi kiff kiff give à home. C'est selon certains petits changements. Ouais, 35 ans. 35 ans. T'as dû en prendre plein les yeux. J'ai peut-être 6 vols. Donc j'ai 6, ouais, 12 heures de vol en 35 ans. Et encore, j'étais côté passager. Et bon, c'est bien quand t'es côté passager que tu fais de la simu, tu peux expliquer tout ce qui se passe. Quitte à saouler ta femme ou tes enfants, tu leur expliques toutes les étapes du vol. Puis il faut pas oublier que. Quand tu prends l'avion, t'es là, t'es sous flight radar. Regarde, c'est nous, t'as vu, on décolle, c'est nous. On est sur Internet. Bah, et juste pilote. Tu es pilote. Ça change une vie, quand même. Ouais, c'est reçu. Bah écoute, bonne nuit à toi aussi. Et bah merci de m'avoir accompagné. Bonne nuit à toi, Tino. Tony. Oh, Tino, Tony. Bonne nuit à toi, Tony. À la prochaine. Ciao, ciao. Bon, par contre, je vais pas tarder non plus. Là, je vais juste vérifier que je suis bien on blocks dans la VR. Et après, je vais aussi déconnecter, désolé. Mais demain, je suis debout pour le petit, donc ça va être tôt debout. Je suis divertite. Je suis divertite. Tiens, c'est nouveau ça. Je peux savoir pourquoi je suis en divertite. Ah merde ça. Ok, d'accord. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris mon plan de vol et les contrôleurs m'ont rien dit. Ouais.
quoi ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ouais, j'ai vu ça. Votre team avait un accord commercial avec Microsoft. J'ai conclu un accord. Oh, je m'y attendais un peu que ça aide votre team. Il fallait s'y attendre. On verra ce que ça donnera à Kiva. Il y aura sûrement un truc. Faudra juste voir quoi. Bon, par contre, tu m'excuseras, mais je vais me déconnecter parce que là ça va faire tard. Si ça te dit, je refais un petit vol en semaine. Donc, n'hésite pas à repasser dès que tu vois que je suis en ligne, pas de soucis. Ce sera avec plaisir. C'est toujours plus sympa de discuter pendant un vol plutôt que rien faire. Mais là, faut que j'aille dormir. Ben, plus ceci, bonne nuit à toi et je te remercie d'être passé. Et à la prochaine. Bisous, bisous. Allez, ciao ciao pour ceux qui sont encore là, bonne nuit également, merci du passage, et je vous souhaite une excellente nuit, ciao ciao tout le monde, bisous bisous. We'll be right back.